Super, bah on va pouvoir commencer. Toc, c'est bon, ici, ouais, toc. Bon, alors on va commencer avec une petite devinette. Combien de centrales nucléaires faut-il pour avoir assez d'énergie pour exécuter un programme Python? Non, bon. C'est pas grave. Et puis pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse, vous pouvez chercher pourquoi est-ce qu'on a mis une tête de Franklin dans cette salle. Je pense que c'est une devinette un petit peu plus facile auquel vous pourrez répondre. Ah oui, juste lire ça. Donc, on va vous parler d'amener un zeste de programmation dans les milieux moins favorisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, on va se présenter rapidement. Il y a Amaury, Titouan et Nathanaël. Et donc, on représente l'association Zeste de Savoir, qui organise des ateliers de programmation à destination des 12-18 ans, dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, quelques mots sur l'association qu'on représente d'abord. Donc, l'association s'appelle Zeste de Savoir. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent aujourd'hui Open Classrooms, l'entreprise qui propose des cours informatiques en ligne. Alors, probablement certains savent qu'avant, ça s'appelait le site du zéro. La plateforme. Et en fait, en 2013, le site du zéro, il y avait une entreprise qui gérait, a décidé de changer un petit peu la manière dont ils travaillaient, de changer un petit peu l'approche qu'ils avaient à leur mission qui est de rendre l'éducation la plus accessible possible. Et la communauté qui faisait tourner le site du zéro a décidé de se scinder avec l'entreprise et de créer Zeste de Savoir alors que le site du zéro est derrière devenu Open Classrooms. Et donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une communauté qui propose des cours, donc qui sont rédigés par la communauté, dans des domaines qui sont principalement reliés à l'informatique. Alors ensuite, on a aussi d'autres cours sur plus scientifiques ou même dans d'autres domaines. C'est vraiment l'idée du partage de la connaissance qu'on a repris, qu'on a développé. Donc, Zeste de Savoir a été fondée en 2014, compte aujourd'hui plus de 12 000 membres et plus de 1 000 contenus qui ont été rédigés par la communauté et donc validés aussi par une sous-portion de cette communauté. La plateforme propose aussi un forum sur lequel on peut poser ses questions sur les différents cours ou alors différents sujets d'informatique ou autres. Voilà, il faut voir que Zeste de Savoir a été développé. Donc là, vous voyez juste en haut à droite notre mascotte qui s'appelle Clem. Et puis Willard, qui est aussi une sorte de mascotte qui était déjà là au temps du site du zéro et qui est un emblème de la communauté. Donc ce projet a été développé également par la communauté, la plateforme qui est open source, développée donc en Python avec Django. Et accueille donc de plus en plus de monde en permanence depuis sa création. Et depuis, dans les derniers mois, même les dernières années, il y a eu une volonté qui a été exprimée de la part des membres de développer ces activités en réel, donc en présentiel, et puis aller notamment dans des endroits où la connaissance, le savoir, le fait de découvrir des choses n'était peut-être pas aussi facile que dans la plupart des endroits. Et donc, de toutes ces idées sont nés les ateliers Zeste de code dont on va maintenant vous parler. Alors, donc Zeste de code, comme Nathanaël ici présent disait, c'est venu donc d'une volonté de la communauté de se lancer dans des activités dans la vraie vie, parce que jusqu'à présent on avait surtout fait des activités sur le web, sous forme de tutoriels, d'articles ou d'entraides, mais pas grand-chose en vrai. Et notre objectif, c'est de toucher tout le monde, pas forcément seulement ceux qui sont sur Internet et qui pensent à aller sur un site d'informatique pour apprendre ou pour découvrir, parce que certains peuvent simplement ne pas connaître. Alors, tout a commencé via Meet & Code. Meet & Code, c'est une organisation européenne qui organise en octobre tous les ans une sorte de festival d'apprentissage de la programmation ou du code, en fait, comme son nom l'indique finalement, et qui propose des subventions pour faire ça. Un membre de la communauté de The Sewar a vu ça et s'est dit, tiens, ça pourrait être cool, pourquoi pas? Et donc, il a ouvert un sujet sur le forum. En proposant à tous de participer donc à un atelier qui n'avait pas encore de nom à l'époque, mais genre on s'est dit
bah tiens, c'est dans nos credos, on aime bien faire ça, on fait ça en web, alors pourquoi pas en vrai, après tout. Et bah, ça a botté pas mal de gens, mine de rien. Là, vous voyez un début de liste, mais en fait, il faut savoir que la liste, elle continue genre sur à peu près 4 ou 5 fois ça. Bon, il n'y a pas autant de monde qui s'est lancé finalement, mais ça a plutôt bien marché. C'était dans les valeurs, on avait cette volonté, ce qui était même devenu un running gag à force. Enfin bref, ça marchait plutôt bien. Donc, on a lancé ça. Il faut savoir que du coup, la conception a été publique. Parce que on est une asso où on fait un peu tout entre nous, enfin tout entre nous, non, ça fait très refermé ça. Plutôt tout en communauté, dans le sens que tout le monde peut contribuer, toute personne qui nous rejoindrait peut contribuer, et donc on a fait vraiment ça en public, en ouverture. On a fini l'organisation bien sûr de manière un peu plus refermée parce que au bout d'un moment, il faut être efficace quand même. Et assez rapidement, dès le début, on s'est dit que tant qu'à faire, vu que sur le site, on visait surtout des populations qui pensaient à y venir. Basiquement, parce qu'elles étaient là, et qui avaient facilement accès à Internet, ce serait bien de viser les autres, toutes celles qui ne connaissent pas forcément trop ça, qui n'ont pas forcément pensé que ce serait pour eux, et qui ne sont pas forcément dans des zones où c'est très courant. Donc on a essayé de viser les populations, entre guillemets, défavorisées, le mot est un peu un gros mot, mais c'est un petit peu l'idée. Donc pour lancer ça, on a commencé à un peu concevoir les ateliers et à faire de la communication du coup dans les zones qui ont moins accès à ce genre de contenu. On a commencé à Orsay, et donc à Orsay c'est au sud de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on est loin de Paris ici. Et là plus récemment on a fait ça en visant le quart nord-est de Paris, qui est un peu le quart un peu moins favorisé de la capitale. Jusqu'à présent, on est surtout sur Paris, parce qu'on est physiquement sur Paris. On est venu à Bordeaux que pour la PyCon, mais on reste ouvert, on en reparlera un peu plus tard de l'ouverture au reste. Donc on a essentiellement contacté des collèges, des lycées, en constatant de grosses différences de réception entre les deux, des bibliothèques, des médiathèques, enfin, tout ça pour faire connaître l'initiative, et surtout que ça puisse toucher ce genre de personnes qui normalement ne vont pas forcément sur ce genre de site sur Internet, et restent un peu seules dans leur... hors de ce monde, alors que pourtant ça pourrait en intéresser, mine de rien. Alors, pour toucher plus facilement les gens, on a envisagé d'autres techniques, notamment communiquer un peu plus sur Internet, mais du coup sur des réseaux sociaux un peu plus utilisés, intervenir directement dans les lycées, certains nous ont montré un certain intérêt, dans des zones qui ne proposent pas ce genre d'offres, et éventuellement toucher les gens qui ont un peu plus de mal avec tout ce qui est courriel, parce qu'on demande, comme ça se... Non, ça se devine pas, c'est de l'autre côté, pardon. Sur les flyers, on demande de réserver par courriel, mais tout le monde, certaines personnes ont un peu du mal avec ça, donc bref, on envisage des choses. Mais rentrons un peu plus dans le vif du sujet, parce que du coup, comment est-ce qu'on a fait ça? On a toujours été pour des visions d'ouverture, donc tout a été mis sur GitHub sous licence GPL dans l'optique que ça serve à nous mais que ça serve aussi aux autres. On a utilisé que des outils libres, on a utilisé donc du Python, hein, sinon on ne serait pas ici à en parler, des technologies de Python qui servent à faire du rendu 2D, je vais venir d'ailleurs, on n'a pas encore dit ce qu'on faisait concrètement, des ressources graphiques faites maison, et du coup comme on cible la jeunesse. Ce qu'on s'est décidé de faire, c'est, après que je le dis, c'est pas grave, pardon, je vais le dire avant parce que c'est plus logique, on s'est décidé de leur proposer de faire des jeux vidéo. Pourquoi un jeu vidéo? Bah déjà parce que ça parle. C'est cool, les gens, enfin toutes les personnes de 12-18 ans ont déjà joué aux jeux vidéo, on va pas se mentir, et c'est généralement intéressant, enfin ça jouant, ça intrigue et ça intéresse de dire « Ah, moi j'ai fait mon propre jeu vidéo ». Et puis ça permet du coup de se rattacher au fonctionnement de vrais jeux, quand on leur explique comment fonctionne la programmation, ce qui permet de le rendre de manière un peu plus concrète. Parce que mine de rien, c'est un peu un défi de rendre la programmation concrète quand on n'en a jamais fait. Je pense qu'on a tous commencé un jour la programmation ici, au début c'est pas forcément hyper évident. Et en plus on peut du coup se souvenir de l'atelier, en rejoignant des jeux vidéo derrière, se dire « Ah, j'ai quand même une idée de comment ça marche du coup », et donc garder des traces. Et donc on a fait ça en Python. Alors pourquoi en Python ? Bah, y a des raisons que tout le monde connaît ici. C'est accessible, c'est assez simple pour débuter. Comme écrit sur la slide, c'est absolument parfait nulle part, Python, mais finalement c'est très très bon partout, donc on peut plus ou moins tout faire avec.
C'est gratuit et puis c'est très utilisé dans le vrai monde. Donc les gens peuvent se dire, ah tiens, et on peut leur dire aussi, je fais en Python des choses de la même façon que des grosses choses, des grosses entreprises que j'utilise tous les jours utilisent derrière. Par exemple, Spotify, Instagram ou Dropbox sont codés avec Python. Des choses comme YouTube, Reddit, bon Reddit c'est un peu moins connu du jeune public, mais quand même sont faites majoritairement en Python, etc. Du coup, on est parti sur PyGames pour coder le premier atelier. Et on va du coup vous expliquer un peu comment on a fait ça. Alors au début, c'est un peu parti, un peu rushé, parce que vous voyez qu'on a commencé à écrire le code 3 jours avant l'atelier, parce que c'est toujours bien d'être en avance. On débute tous un jour, hein, voilà, il faut bien. Mais on a choisi PyGames parce que bah, c'est simple, c'est efficace, c'est une solution éprouvée, et ça permet de faire finalement des choses intéressantes et vraiment concrètes qui marchent assez bien. Alors bien sûr, il a fallu faire un petit peu d'aide, parce que si on donnait PyGames à des gens de 12 ans, je pense qu'ils n'iraient pas très très loin. Mais justement, bah, c'est de ça qu'on va vous parler maintenant. Enfin, je te laisse là. Ça fonctionne. Donc, avant de parler vraiment de la technique, à quoi ressemble le jeu fini? Donc ça, c'est le jeu. Donc c'est un Snake assez basique. Dans sa version vraiment totalement aboutie, c'est-à-dire que typiquement aucun des participants arrive jusque-là. C'est la version que nous on a fait pour pouvoir préparer le truc. Donc on peut voir les graphismes qui ont été faits par nous aussi. Et tout ça en fait c'est géré par PyGames, mais aussi par une bibliothèque qui est par-dessus et qui fait de l'abstraction, qui va aider les participants à pouvoir se lancer dans ce monde un peu qui fait peur, en fait, qui est la programmation. Donc, on a basé ça sur des objectifs. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, on a l'objectif 1, 2, 3, etc. On veut que tous les participants arrivent à tel objectif. Donc, en l'occurrence, nous, c'est le deuxième. On veut que tout le monde y arrive, et jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, 100% des participants arrivent au second objectif, qui n'est pas un objectif qui est très avancé. Enfin, pour quelqu'un qui a déjà fait de la programmation, on peut avoir l'impression que c'est rien du tout. C'est-à-dire que bah, on a rempli le fond avec des trucs qui ressemblent vaguement à un désert. On a mis des cactus sur le tour et puis on a affiché un serpent. Donc là, on voit le serpent ne bouge pas. Vraiment, il ne bouge pas. Dans le deuxième objectif, le serpent ne bouge pas. Le but de ça, c'est déjà de leur faire comprendre beaucoup de notions. C'est-à-dire que déjà avec ça, on a des boucles. On a besoin de faire afficher les cactus, donc on a besoin de faire une boucle sur le tour, on a besoin de faire des conditions pour afficher la tête du serpent ou la queue ou une partie du corps, etc. Donc on a déjà en fait beaucoup de notions de programmation qui sont là-dedans. Notre bibliothèque d'abstraction, elle permet de faire un tas de choses. Je vais en citer quelques exemples. Ça fonctionne pas ? Oui. Mais. Bon, ben, on va citer directement tous les exemples. Donc elle permet d'écrire partiellement en français le code. C'est un truc sur lequel on a pas mal réfléchi entre les deux premiers ateliers, de savoir est-ce qu'on garde le code en anglais, puisque notre bibliothèque était en anglais à l'origine, ou est-ce qu'on le passe en français. On a dit, on va le passer en français, on verra ce que ça donne. Globalement, les retours sont plutôt positifs. On n'a pas spécialement l'impression que ce soit qu'il y ait vraiment une grosse différence, mais on pense que ça peut aider les gens, donc pourquoi pas le faire. Ensuite, on a deux classes séparées qui font de l'abstraction. Donc, le jeu, c'est la classe de la zone de jeu. Donc, c'est ce qui va se charger de faire des dessins d'images, de sprites graphiques, qui va se charger de gérer les textes, par exemple, etc. Et la classe du serpent qui gère tous les déplacements du serpent. Donc, que le participant n'ait pas besoin de retenir que le serpent est dans telle case et que, du coup, quand j'avance d'une frame, il est dans la case suivante et qu'il est dans la case suivante. Ça, c'est tout abstrait par la bibliothèque. Et donc, depuis ça, on peut faire des choses comme des itérateurs. Donc, par exemple, pour afficher le serpent, on peut itérer sur les morceaux de serpent, entre guillemets. Donc, le premier, ça va être la tête. Ensuite, on va avoir plusieurs morceaux de corps. Et le dernier, ça va être la queue. Donc, grâce à une fonction simple, la fonction morceau, en l'occurrence, on peut itérer sur le serpent et le dessiner automatiquement où il faut dans la zone de jeu. On a aussi des getters qui rendent la chose facile. La taille du serpent, par exemple, normalement, enfin, c'est juste du sucre syntaxique en soi, hein, ça appelle juste la fonction len, mais
Du coup, c'est plus simple pour le participant d'écrire point taille plutôt que point morceau, point laine. Et donc, on a aussi de la gestion de collision. Les collisions, pour ceux qu'on en fait, c'est pas forcément... on va dire que c'est pas spécialement difficile, mais c'est un peu des maths. Et comme on s'adresse à des publics qui n'ont pas forcément fait énormément de maths, tout ça, c'est abstrait. Donc, on peut détecter, par exemple, la collision entre... Bon, là, j'ai mis un carreau, mais ça peut être, par exemple, une pomme. Et la position de la tête du serpent. Et s'il y a une collision entre les deux, c'est qu'il faut que le serpent mange la pomme, et donc il faut le faire grandir. On a des fonctions de gestion de l'aléatoire, donc là, pareil, c'est pour abstraire le Python, on peut dire, par exemple, je veux une position aléatoire sur la zone de jeu. On a de la gestion des événements. Alors la gestion des événements, on l'a faite un peu de façon différente de ce que fait Pgame à l'origine. C'est que on expose tout le temps une variable événement qui contient tous les événements qui ont été lancés récemment. Et donc, on va avoir par exemple un événement touche appuyée quand on a appuyé sur une des flèches directionnelles. Et on peut récupérer événement touche appuyée pour récupérer quel est le numéro de la touche appuyée, quel est le type de la touche appuyée. Et donc, en dernier, en fait, c'est quasiment le plus important. On a fait une structure qui ressemble à Arduino, pour ceux qui connaissent Arduino. On a une fonction d'initialisation au départ, dans laquelle on va déclarer nos images, nos variables, etc. Et ensuite, on a une fonction de boucle qui va boucler à chaque frame pour faire l'affichage, la gestion des déplacements du serpent, etc. Donc après, l'objectif que j'ai mentionné juste avant, que tout le monde arrive à faire, le but, c'est d'animer le serpent. Donc, c'est un objectif qui est assez simple, mais qu'on essaye de guider beaucoup moins que les objectifs précédents. C'est-à-dire que les deux premiers, on va avoir tendance à vraiment aider les participants, et ceux qui sont vraiment en difficulté, on va être beaucoup derrière eux. Ceux qui arrivent au niveau du troisième objectif, c'est pas qu'on les laisse en plan, mais on les laisse vraiment creuser de leur côté. On considère que c'est les participants qui vont pouvoir aller faire des recherches sur Internet s'il faut, faire des recherches dans la doc qu'on fournit, qu'ils ont déjà compris au moins les bases et que donc on peut les laisser un peu faire la suite et se concentrer sur ceux qui vraiment n'ont pas compris. Et donc ensuite, bien sûr, on fait un snake, donc il faut qu'on affiche une pomme quelque part sur l'écran. Donc c'est le quatrième objectif. Et ces objectifs-là, ils ne sont pas forcément réalisés tous avec nous. Et donc on en a qui continuent chez eux, ou en tout cas on propose tout ce qu'il faut pour que les participants puissent continuer chez eux. On leur fournit les documentations qui étaient disponibles quand ils étaient là en présentiel. On leur renvoie le code qu'ils avaient déjà écrit. Donc, en fait, ils peuvent continuer de faire leur jeu si ça les amuse chez eux et même rajouter d'autres fonctions, etc. Globalement, pour illustrer l'histoire d'initialisation et de boucle dont je parlais tout à l'heure, la structure du jeu basique, elle ressemble à ça. On a une première initialisation, on va créer les objets. Les objets, c'est principalement le serpent et par la suite la pomme. Et initialiser les images, il y a eu une modification là-dessus. À l'origine, on déclarait donc les images avec un nom, et on devait ensuite récupérer l'image correspondante pour pouvoir l'afficher. C'était assez compliqué, et du coup, on a simplement fait une autre fonction d'abstraction qui affiche directement l'image en lui donnant le nom. Ensuite, on s'occupe de la gestion des événements. Typiquement, le premier événement, c'est réussir à fermer la fenêtre. Par défaut, sur Pgame, ce n'est pas géré. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la croix pour fermer, en fait, ça ne ferme pas. Donc ça, ce n'est pas très pratique, notamment pour tester, pour débugger. Donc le premier truc qu'on leur fait faire et qu'on fait avec eux en grande partie, c'est ça, c'est la gestion de la fermeture de la fenêtre. Les événements, il y en a d'autres. Il y a les événements de touche, etc. après. Mais comme on l'a vu, ça arrive assez tard, en fait, dans le processus. Ensuite, pour ceux qui arrivent assez loin, il y a la gestion de la pomme. Donc faire aller la pomme sur un endroit aléatoire de la zone de jeu. Le dessin de la grille, donc ça c'est une partie importante, dessiner tout le fond jaune et les cactus sur le tour. Les cactus, c'est ce qui est, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est ce qui fait le contour, c'est que si on se prend un cactus, on meurt, c'est la limite de la zone de jeu. Et le dessin du serpent, donc le dessin du serpent, on le propose d'abord avec juste l'image du milieu que vous avez vue, en fait, juste le corps du serpent au départ, donc en fait c'est assez moche, ça fait juste un serpent tout droit. Et ensuite, d'améliorer, donc de mettre une tête au serpent et une queue au serpent, ce qui est un peu plus joli. Et ensuite, il y a tout ce qui est gestion des déplacements.
qui, voilà, sont simplement les touches. Au départ, on gère une seule touche, et puis, second temps, ils font le reste. Ça, c'est pour développer un peu sur la gestion des événements, pour ceux pour qui ce ne serait pas clair. Donc, on a bien un objet, enfin, oui, un objet événement. Quand l'événement quitté est lancé, on ferme la fenêtre. Donc, ça, c'est la première chose dont je parlais, donc pouvoir fermer la fenêtre de jeu. Et si on a un événement touche appuyée, on récupère quelle est la touche appuyée. Donc, ça se fait avec la syntaxe. Je sais pas si... Oui, on voit. Et ensuite, on peut vérifier la direction pour faire déplacer le serpent dans le sens qu'on veut. Je vais ensuite développer quelques morceaux qui semblent intéressants au niveau pédagogique. La gestion des cases, en fait, la gestion du dessin des cactus, principalement, c'est ça. Donc, ça se gère en plusieurs parties. Déjà, on efface l'écran. La première chose, c'est ça. On a des participants qui oublient de le faire et en fait, ils se retrouvent avec des trucs qui superposent à un moment. Au début, pas forcément. C'est surtout quand ils vont commencer à dessiner le serpent que ça va commencer à gêner. En fait, ils oublient d'effacer l'écran et donc ils ont des serpents qui se superposent partout et ils ne comprennent pas pourquoi leur serpent grandit. En fait, c'est parce qu'ils ont oublié d'effacer l'écran. On vérifie est-ce qu'il y a une collision entre un des bords et la tête. Si c'est le cas, on ferme le jeu puisque la personne a perdu. Et on vérifie si le carreau est un bord. Et si c'est un bord, on dessine un cactus. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça a l'air anodin comme ça. En fait, ça ne l'est pas parce que là-dedans, donc l'effacement de l'écran, c'est facile, c'est une fonction appelée. Le carreau actuel est un bord, ça, c'est déjà, il y a une condition. Donc, ça implique d'avoir compris ce qu'était une condition et d'avoir compris ce qui, dans notre bibliothèque, va pouvoir réaliser cette fonction-là. Déjà, il y a quelques trucs à réussir à faire. Le dessin d'un cactus, ça implique de ne pas oublier de déclarer l'image au départ. Pareil, ça nous semble anodin. En fait, ça ne l'est pas pour les participants. Et il y a bien sûr une itération sur tous les carreaux de la grille, qui est du coup une boucle. De même, pas forcément évident pour quelqu'un qui débute. Là, ça, oh, ça marche, celui-là. Donc, avant de faire ce morceau de Snake, on essaie de présenter aux participants quand même quelques morceaux de technique. Alors, c'est une partie qu'on essaie de réduire le plus possible parce que bah, c'est pas forcément super marrant quand on a 12 ans d'arriver et qu'on nous fasse un cours de Python. Donc, on essaie de la réduire. On a réussi à la réduire à peu près à 1 heure. Actuellement, on a 1 heure de technique presque pure au départ. Et après, on lance sur de la semi-technique, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à parler, mais ils peuvent commencer à faire le snake. C'est toi qui... Donc, comment est-ce qu'on introduit ça auprès des enfants? Déjà, pour leur dire que peut faire Python et que peuvent faire les langages de programmation, fondamentalement, c'est des calculatrices. C'est comme ça qu'on leur introduit le truc, on leur dit, c'est des calculatrices, on peut faire des calculs avec. C'est ce que peut faire un ordinateur. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est juste une boîte dans laquelle on a mis une valeur. Cette valeur, on peut la changer et on peut la récupérer. Qu'est-ce qu'une condition? Une condition, c'est juste une expression. Alors là, on voit que ça se complexifie, hein. Les deux premières définitions, elles sont assez simples. La définition de condition, déjà, elle est moins évidente à saisir. Une expression qui est vérifiée, qui, si vérifiée, pardon, exécute du code. Déjà, ça peut demander un peu de réflexion pour ceux qui n'ont jamais fait d'informatique avant. Et une fonction, alors une fonction, c'est une notion qu'on n'introduit pas trop parce que, globalement, les participants vont surtout réutiliser nos fonctions et ne vont pas beaucoup en écrire eux-mêmes. C'est seulement ceux qui vont être le plus avancés qui vont avoir à écrire des fonctions. Donc on l'introduit rapidement en disant que c'est un morceau de code qu'on a écrit pour eux et qu'ils peuvent réutiliser. Comme je disais, à la fin de la partie technique, on a une sorte de partie technique plus code, qui est la partie la plus difficile pour nous à faire, mais peut-être une des plus intéressantes pour les participants. C'est une partie où on leur dit, bah, voilà, par exemple, on a vu qu'est-ce qu'une fonction. Bah, voilà, maintenant, voyons dans notre snake, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va pouvoir ouvrir une fenêtre avec. C'est une partie qui est difficile, je disais, pour nous, parce que, il faut trouver des choses qui s'interfacent bien et qui soient disponibles directement. Ouvrir une fenêtre, c'est disponible directement, mais par exemple, faire la gestion de l'apparition de la pomme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dès le départ. Donc, il faut réussir à doser là-dessus, à laisser un peu d'autonomie et en même temps, nous, à essayer de présenter quelques trucs. L'idée, c'est de mettre les participants sur la voie pour les choses qui sont vraiment compliquées à gérer.
Notamment les choses où, en fait, ça demande vachement de réflexion et pas juste de refaire une boucle bêtement. Par exemple, la gestion des cactus, en fait, elle est un peu compliquée parce qu'on itère sur tous les carreaux et on dit « si le carreau est un bord, affiche un cactus ». C'est un truc qui n'est pas évident, donc on essaie de les mettre au moins sur la voie de comment faire avec des mots. On explique en français comment on fait pour qu'ils puissent le faire. Et s'il y en a qui ont d'autres solutions pour le faire, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Il y a quelques trucs qui sont un peu bricolés là-dedans, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on s'arrange pour que ça fonctionne. Par exemple, il y a un moment où on fait afficher la taille du serpent. En fait, ce n'est pas vraiment une association avec le jeu, c'est quelque chose qui ne leur servira à rien fondamentalement après. On fait juste afficher pour que ce soit rigolo. Voilà, on voit que le serpent il fait 3 de longueur, et que si je le fais grandir, il fait 4, et que si je le fais mourir, il refait 3, etc. C'est pas quelque chose qui va leur resservir après vraiment, c'est juste pour comprendre le principe et pour que nous, on puisse faire notre initiation avec des trucs ludiques. Pour les participants qui sont, je dirais, un peu plus avancés, on fait 2 choses qui peuvent les initier vraiment au monde de la programmation en leur disant voilà les outils qu'on utilise vraiment quand on est développeur pour faire de la programmation. Donc, on va voir en fait la documentation. Donc, on écrit une documentation de notre bibliothèque d'abstraction qui est une documentation assez dense. Globalement, il y a beaucoup de choses dedans et c'est fait exprès en fait parce que ça leur permet de filtrer justement les informations et d'essayer de leur apprendre à voir ce qui est important, à voir ce qui n'est pas important dans une documentation technique. Donc, elle reprend les principaux éléments communiqués à l'oral pour ceux qui ont un peu de mal, pour ceux qui ont besoin de beaucoup de temps pour comprendre. On réexplique ce qu'est une condition, on réexplique ce qu'est une boucle, on réexplique comment ça se fait en Python, on redonne des exemples. Ça permet à ceux qui ont du mal à comprendre du premier coup de se reposer, même chez eux s'ils veulent, se reposer, de dire voilà, ça ils m'en ont parlé vaguement, j'ai pas trop compris, je vais regarder la documentation et peut-être que là je vais réussir à voir ce que c'est. L'idée c'est de les guider dans un processus en 3 étapes en quelque sorte. Premièrement, je vais regarder dans la documentation. Bon, il n'y a pas ce que je cherche dans la documentation, je vais regarder sur Internet. Est-ce que sur Internet, il y a quelqu'un qui a déjà fait le truc ? Alors là, ils sont un peu débutants, donc sur Internet, ils ne vont pas forcément trouver ce qu'ils veulent du premier coup. C'est pour ça qu'on est là, et qu'à ce moment-là, on peut les aider. S'ils ont déjà essayé par leurs moyens de faire des choses, on peut aller les voir, on peut leur dire, voilà, là, nous, on pense que tu pourrais faire ça comme ça. On a fait une fonction dans la bibliothèque, ça tombe bien, ça fait exactement ce que tu as besoin de faire. Donc la documentation, comme je disais, elle est volontairement assez dense et elle recouvre des fonctions que certains participants ne vont jamais utiliser parce qu'ils ne vont pas arriver jusqu'à la fin de l'atelier, ce qu'on attend, ce qu'on s'attend tout à fait à ce qui arrive. Mais il faut que les gens qui, eux, avancent vite, trouvent aussi ce qu'ils veulent dans la documentation. Donc on apprend aux gens à faire le tri dans ce qu'ils veulent. La deuxième chose qui les initie un peu au monde réel, c'est qu'on essaye d'introduire des choses qu'on ne va pas trop leur mentionner du premier coup, pour leur faire écrire des bêtises, pour que ça fasse des erreurs, et qu'ils arrivent, eux, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une erreur sur ce truc-là. Un exemple, pour vérifier donc, les collisions, on va itérer sur tout le serpent. Et ce qu'on veut faire, c'est vérifier si le serpent ne se mange pas lui-même. Donc on va regarder chaque morceau de serpent, on va réitérer sur les morceaux de serpent et regarder si ces deux morceaux ne sont pas sur, la même, sur le même endroit en même temps. Si ma tête est au même endroit que la queue, ça veut dire que je suis en train de me manger. Or, la tête, elle fait partie des morceaux sur lesquels on itère. Donc, au départ, quand je vais faire ça, je vais faire mes deux boucles imbriquées l'une dans l'autre, la tête, elle fait une collision avec elle-même. Donc, en fait, le jeu, il se quitte tout seul. Et donc, je lance mon jeu et il se ferme tout seul. Et c'est assez frustrant, en fait, parce que ça arrive à un moment où on a déjà fait beaucoup de choses, et on essaye de rajouter cette petite chose qui est rien, et là, tout le jeu crache, il n'y a plus rien qui fonctionne. En fait, ce qu'il y a, c'est que le jeu ne crache pas, c'est que juste, la tête, elle est en collision avec elle-même. Donc l'ordinateur fait exactement ce qu'on lui demande. Il dit, il y a une collision, effectivement, entre le serpent et lui-même, au niveau de la tête, donc je ferme. Donc ça implique de perdre du temps, entre guillemets, pour apprendre comment gérer des erreurs. On n'est pas non plus complètement sadique, on leur fait arriver ça un peu tard quand même dans l'atelier. On évite de le faire avec des débutants complets parce que c'est vrai que c'est frustrant. Pour
pour terminer un peu là-dessus, je vais vous proposer une évolution un peu des ateliers, parce que on ne s'est pas, dès le premier atelier, on ne s'est pas dit « Ah bah on va faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça ». Il y a eu des améliorations au fil du temps, particulièrement l'initiation au code, qui était sur le premier atelier beaucoup trop longue. On avait 2 heures d'initiation pour 2 heures de code, et pas du tout de partie d'interfaçage, dont j'avais, comme j'avais parlé tout à l'heure. Donc vraiment, on parlait pendant 2 heures au tableau de qu'est-ce que c'est qu'un if, qu'est-ce que c'est qu'un else, qu'est-ce que c'est qu'un for, qu'est-ce que c'est que... Et les participants, ils lâchaient en fait au bout d'un certain temps. On a choisi de prendre plutôt 1 heure pour le faire. C'est pas forcément facile de tenir 1 heure sur ça en fait. On a tendance à s'étendre vachement. Il y a des débats en interne. Il y en a qui pensent que c'est un bon équilibre, d'autres qui pensent qu'il faut encore réduire ça, qu'il faudrait faire plutôt 1 demi-heure d'initiation. Bon bah voilà, on est une équipe, on débat. Si vous avez un avis là-dessus à la fin, on vous écoute. Les difficultés qui ont été rencontrées sur le code au premier atelier, donc l'anglais, on ne sait pas trop si c'est un blocage, parce que les participants ne nous le disent pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas la comparaison, il n'y a aucun moment où on a fait les deux, et donc on n'a pas eu vraiment de point de comparaison, la bibliothèque en français, la bibliothèque en anglais, pour que les participants puissent nous dire « bah ça, c'est plus simple pour moi ». Donc on ne sait pas trop, mais on s'est dit que peut-être que ça pouvait être un blocage. C'est ce qu'on a changé sur le deuxième. L'intégration, donc initiation atelier, ça rejoint l'introduction au code. Faire avec eux le début du snake pour pas qu'ils soient complètement perdus. Un rééquilibrage des objectifs, parce qu'en fait, on visait assez haut en fait, pour le premier, on s'en est rendu compte. Quand je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes, qui nous ont l'air évidentes pour nous, et qui ne sont pas du tout pour les participants, en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'avait que des développeurs dans l'équipe. Et que c'était pas facile pour nous de jauger en fait. Et au premier, ça a été, il y a très peu de gens qui ont vraiment réussi à avoir quelque chose de jouable. Et l'abstraction de Pygame a changé au fil du temps. Il y a des choses qu'on n'abstrayait pas au premier et qu'on a commencé à rajouter sur le deuxième parce que c'était embêtant. Par exemple, la position de la pomme. On a maintenant une fonction qui fait une position aléatoire sur la zone de jeu. Alors qu'avant, il fallait s'embêter à vérifier si la position n'était pas déjà prise par un cactus, si la pomme, elle n'était pas sur le serpent, etc. En fait, c'était des choses qui étaient juste de la perte de temps, on s'est rendu compte. C'est-à-dire que les participants savaient le faire, et juste, ils perdaient du temps à écrire du code, à faire des erreurs, à faire du... Donc, comme ce n'est pas quelque chose qui était majeur, on l'a viré, et des choses comme ça. Sur le dernier atelier, on a aussi rajouté des bonus. Alors, c'est des prévisions de choses qui sont en plus de ce qu'on sait que les participants ne vont déjà pas faire. Donc en fait, c'est plutôt des choses qui sont à faire pour chez eux. Hein. C'est pour ceux qui voudraient continuer, qui vraiment ont envie de continuer là-dedans et qui se disent « pourquoi pas continuer mon jeu ?» On leur propose quelque chose en plus, en bonus justement, à faire. Donc c'est en autonomie quasi totale, c'est-à-dire que s'il y en a qui arrivaient un jour, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas, pendant l'atelier à faire les bonus, vraisemblablement on ne passerait plus le voir. Enfin, sauf vraiment s'il a une question, mais on ne passerait plus le voir. Les bonus qu'on propose, le retour en arrière du serpent, c'est un truc qui n'est pas géré de base, c'est-à-dire que en fait, si mon serpent va vers le haut et que je demande à aller vers le bas, il peut passer sur son propre corps. Et normalement, ce n'est pas toléré. Donc, dans la première version, il peut passer sur son propre corps. Il y en a d'autres qui l'ont géré avec les collisions du corps. Du coup, il va juste se manger quand je vais retourner en arrière, ce qui n'est pas très pratique. Donc on peut juste interdire le joueur de faire ça. Quelques textes en plus pour rajouter des menus, rajouter des choses un peu compréhensibles, un menu pour rejouer, des choses comme ça. Parce que on doit lancer avec Python la fenêtre et la relancer ensuite à la main une fois qu'on a perdu. Enfin, c'est pas très, très user-friendly, comme on dit. Et la gestion des coins du serpent, je sais pas si vous avez fait attention dans les images. Il y a des serpents. Le serpent, au départ, quand il bouge, quand il s'anime, j'ai des sprites qui sont droits, et donc ça fait des angles qui sont super moches en fait. Et donc on a un sprite coin, mais qui n'est pas facile à gérer parce qu'il faut prendre en compte les rotations du serpent à un moment donné. Et comme ce n'est pas évident, c'est en bonus. Donc comme on l'a dit, on fait 4 heures d'atelier. 4 heures, c'est long. Quand on est l'après-midi, quand on a 12 ans, c'est pas facile de tenir 4 heures devant un écran sur un truc qui, pour certains, c'est du chinois. Pour certains, vont sortir de l'atelier et pour eux, oui, ils auront fait un petit serpent qui bouge, mais ils en refont jamais et ce sera toujours du chinois pour eux. Donc, on fait une pause dont la longueur est variable. En général, c'est un quart d'heure à une demi-heure.
Cette pause, elle propose, elle permet, pardon, de se détendre, se vider les idées un peu, dire, voilà, il y a le code, on souffle, on reprendra plus tard. L'association donc propose un goûter, parce que c'est des enfants et qu'ils aiment bien les goûter, enfin, on sait pas trop, mais vraisemblablement, c'était ça. En pratique, les participants, ils descendent ensemble et ils remontent ensemble. Mais on a des exceptions intéressantes, des gens qui restent pendant, qui disent non, non, moi je ne veux pas prendre de goûter, je veux vous poser des questions sur la programmation, sur le truc. Donc il y a des gens qui sont vachement intéressés. Bah, c'est bien, c'est cool. Ça veut dire qu'on fait un peu des trucs qui les intéressent. Quelques points sur les améliorations du code qui ont été faites. Dans le futur, ce n'est pas le cas, ça a déjà été fait. Donc notre première version, elle proposait, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, de dessiner une image qu'on récupère par son nom. Ça a induit beaucoup de participants en erreur. Ils mettaient jeu.dessiner corps, donc la deuxième syntaxe, et ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, et on leur disait oui, parce que tu n'as pas récupéré l'image, là tu lui passes une chaîne de caractères, et lui il ne comprend pas, il veut dessiner une image. C'était pas facile pour eux de comprendre, donc on a fait un truc qui fonctionnait comme ils voulaient que ça fonctionne, en fait, finalement. Et la structure Arduino, qui n'était pas là au premier atelier, en fait, elle était plus ou moins là, c'est-à-dire que ça existait, hein. Il y avait initialisation boucle, mais on leur faisait faire la boucle même, c'est-à-dire qu'ils faisaient une while, etc. Finalement, on a abstrait ça, on a fait deux fonctions, on ne leur explique pas ce que c'est, enfin, on leur dit vite fait que c'est des fonctions, mais on ne leur explique pas la def, machin, ça, c'est du code globalement qu'on leur donne dès le départ. On leur dit, bah, ce qui est en haut, ça va s'exécuter une fois au début, et ce qui est en bas, donc dans la boucle, ça va s'exécuter à chaque fois qu'il se passe quelque chose, en fait, qu'il y a un événement ou quelque chose. Donc, je vais laisser Nathanaël faire une petite ouverture sur les métiers de l'informatique. Oui, tout à fait. Au premier atelier, qui était sponsorisé par Meet and Code, Meet and Code avait demandé à ce qu'on fasse des ouvertures sur les métiers de l'informatique pour en parler aux jeunes. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait la première fois. Ça n'a pas été très facile à faire parce que c'est compliqué. Quand on a 12 ans, on ne se pose pas forcément ce genre de questions. Certes, on présente un petit peu les choses, mais ça reste abstrait. Il y a tellement de métiers dans l'informatique que c'est compliqué de tout couvrir, surtout quand on a déjà un programme très dense. Et du coup, on s'est posé la question après le premier atelier, est-ce que sur les suivants, on souhaite continuer à faire des ouvertures métiers pour présenter un petit peu tout ça? Et la réponse qu'on a eue, c'était en fait pas forcément. Une partie de la philosophie de Zeste de savoir, c'est de se dire, non pas on fait des cours pour aider les gens à se former, pour avoir un métier particulier, mais plus vraiment, ce sont de toute façon des passionnés qui créent leurs cours. Et en fait, c'est ça qu'on veut transmettre. On veut pas transmettre du tout une intention ou des compétences spécifiques pour un métier. Bien sûr, ça vient avec, mais l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de passer l'envie finalement de faire tout ça. Et du coup, on s'est dit, comme ça rallonge, on va éviter et puis on va pas forcément le reprendre. Et par la suite, on s'est rendu compte que effectivement, c'était probablement le bon choix qu'on a fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça? Bah oui, bien sûr. On vous parle de tout ça parce que on pense que c'est très important de partager la connaissance et de la partager non pas seulement dans des cadres un petit peu scolaires, mais d'essayer de mettre ces domaines comme l'informatique dans des cadres un petit peu moins formels que ceux notamment de l'école ou d'autres initiations. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est important d'organiser ce genre d'atelier, notamment à des endroits où on n'y aurait pas accès autrement.
Donc, c'est quelque chose nous, on a organisé pour le moment plusieurs fois à Paris et qu'on commence à organiser dans d'autres villes parce que Zeste de Savoie a des membres un petit peu partout qui s'organisent pour organiser des événements de ce type-là. Et puis, on vous encourage bien sûr à en organiser vous-même dans votre ville. Je crois qu'il n'y a personne qui en organise à Bordeaux chez nous, donc peut-être qu'il y a des gens ici qui sont intéressés. Donc, nous, bien sûr, tout ce qu'on a fait, tout le travail de recherche, une des raisons pour lesquelles on vous a présenté tout ça en détail, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire forcément la première fois, mais nous, le fait qu'on se soit mis en équipe, etc., et qu'on ait avancé un petit peu, on a déjà pu trouver différentes choses qu'on aimerait partager avec tous ceux qui souhaitent organiser ça pour les aider et leur faire gagner du temps. Donc, voilà quelques exemples de choses dont on peut vite oublier l'existence quand on réfléchit à ce genre d'événement. Mais c'est par exemple la partie assurance. Donc, il faut trouver des endroits pour accueillir les événements. Nous, pour le moment, ce sont des universités qui ont accueilli nos événements, qui demandaient d'avoir que nous, l'association, ayons une assurance pour ce qui pouvait se passer sur la salle, etc. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, auquel on a dû penser. Donc là, on travaille... Petit aparté, on fait ça dans des universités, mais on réfléchit aussi à faire ça dans certaines écoles qui ont beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont intéressées. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va dans un endroit et puis on fait de la communication tout autour. Il y a certains endroits sur lesquels il y a tellement de demandes qu'on peut se permettre d'organiser ça à l'échelle d'un seul collège ou d'un seul lycée. L'idée n'étant toujours pas d'organiser ça sur des temps de classe avec une classe entière, mais toujours d'avoir une volonté de la part des gens qui viennent, de venir et donc de faire ça uniquement avec des volontaires. En tout cas, ça a été notre choix. La forme de l'événement, c'est aussi quelque chose qui se discute. On en a parlé tout à l'heure. Nous, on a choisi de faire des ateliers de 4 heures. On se rend compte qu'avec une pause au milieu, ça passe plutôt bien. Les jeunes sont pas trop cramés à la fin, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose parce que 4 heures ça reste long et donc éventuellement effectivement c'est quelque chose dont il faut réfléchir à l'avance. Les subventions, bon alors nous on en a eu, il y a pas mal il y a Meet & Code qui en propose pour partout en France il me semble. Oui, partout en Europe même. Donc, par contre, Meet & Code, c'est juste sur une semaine, sur l'année, il faut organiser votre événement pendant cette semaine. Mais il y a d'autres organismes au niveau des régions, etc., qui peuvent donner des subventions pour vous aider à organiser, par exemple, aider à subventionner le goûter ou autre, etc. Voilà. Au niveau des formalités, on a des exemples qu'on a pu mettre en place pour avoir en fait une sorte de contrat qui nous permet d'utiliser les locaux qu'on peut bien sûr fournir à tous ceux qui le souhaiteraient. Et puis voilà. Ensuite, il y a la communication qui est bien sûr à ne pas négliger, dont on va vous reparler un petit peu après, mais qui est évidemment quelque chose qui prend pas mal de temps parce que pour trouver des gens qui sont motivés pour faire ce genre de choses, il faut s'y prendre bien à l'avance. Et puis le proposer dans pas mal d'établissements pour avoir assez de personnes. Nous, on s'est concentré sur des événements où il y avait une vingtaine de personnes environ. On était en général 3 ou 4 pour animer. Et on trouvait que c'était plutôt pas mal au niveau. Mais donc, effectivement, c'est... Étant donné qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'aide, forcément, à des moments, il y a plus de monde qui ont besoin d'aide, etc. Être au moins 3 en général pour organiser ce genre d'atelier, on pense que c'est assez important. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on pourrait vous dire si jamais vous aviez envie d'en organiser un. Bien sûr, tout ce qu'on a dit, c'est disponible en ligne et notamment sur notre site. Et puis, on peut bien sûr vous aider autrement si jamais vous avez des questions et envie d'organiser ça. Faites-le parce que franchement, c'est super, aussi bien pour vous que pour ceux auxquels vous allez animer l'atelier. Donc pour continuer un petit peu là-dessus, encore quelque chose sur lesquels on a dû retravailler la première fois, donc peut-être qu'ils vous feront gagner un peu de temps si jamais vous l'organisez, puis dans tous les cas, qui pourront peut-être vous donner un petit peu de perspective sur les difficultés qu'on peut avoir quand on organise ce genre d'atelier. Le premier, c'est le choix des notions à aborder. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure.
Ça peut paraître un petit peu bénin, entre guillemets, quand on est dans le monde des entreprises, qu'on sait ce qu'on code, qu'on sait ce qu'on utilise au jour le jour. Mais quand on a peu de temps et qu'on est notamment avec un public relativement jeune, c'est compliqué de trouver vraiment les choses, non seulement qui sont importantes, qui vont leur apporter une connaissance et une valeur qui, avec un peu de chance, dépassera l'atelier, mais qui pourra effectivement leur servir et qu'ils puissent retenir facilement. Donc c'est quelque chose de pas très compliqué, sur lequel on a retravaillé, bien sûr. Et sur lequel donc on vous en a parlé tout à l'heure, et puis on a bien sûr la liste. Au niveau du déroulé, effectivement, on a dû retravailler un petit peu le déroulé. La documentation qu'on a abordée un petit peu tard sur notre premier atelier, les fois d'après, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur met directement la documentation sur la première page dès qu'ils arrivent sur leur ordinateur pour gagner du temps et qu'ils ne perdent pas de temps à chercher là où il y a de la documentation. Au niveau des pauses, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, en général, donc, on les emmène dans une salle où il y a un goûter. Ce sont des jeunes qui viennent d'endroits très différents. Donc, nous, on va dans des collèges et lycées très différents. Donc, on a dit aussi dans des milieux moins favorisés, dans d'autres qu'ils sont un peu moins. Donc, ça fait qu'il y a une mixité assez forte. Et on s'est rendu compte que les gens ne parlaient pas forcément énormément. En général, la première fois, il y avait pas mal de blancs dans la pause. Et du coup, ce qu'on s'est dit les fois d'après, c'est qu'on allait essayer de faire des brise-glaces pendant la pause, même un peu avant, quand il y a des gens qui arrivent un petit peu en avance sur l'atelier. Mais on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'assez important. Voilà, ensuite, sur la communication, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et on va en reparler, mais c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Il faut qu'on aille voir aussi bien les collèges, les lycées, les médiathèques, mais aussi qu'on essaie d'aller voir plus directement les profs, parce que ce sont eux qui ont des incentives peut-être un petit peu plus fortes que juste des flyers qu'on peut distribuer. D'ailleurs, on a des flyers, si vous voulez, qu'on peut vous montrer à la fin, qu'on peut même vous dédicacer si ça vous intéresse, des événements passés. Et donc voilà, une des choses qui fait un peu partie de la communication, mais c'est au niveau du choix des dates, on s'est rendu compte que c'était important. Nous, on a organisé ça des mercredis après-midi. Il faut faire ça en période de vacances, en période scolaire. Les jeunes viennent beaucoup moins parce que ils ont en général déjà des activités ou autre chose. Voilà. Et puis, ça permet de toucher des populations aussi un petit peu plus différentes pendant les vacances. Et on s'est rendu compte que c'est vraiment là où il y avait le plus de monde. Donc voilà un petit peu ce sur quoi on a dû retravailler et qui a permis d'améliorer nos événements. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Moi j'en ai une, c'est de faire tous ateliers d'introduction à des gens qui... Comme je travaillais beaucoup en programmation, et je me suis confronté à des difficultés sur ce qui était différenciation entre l'éditeur et le chef. Et du coup, la question, c'est quel est l'environnement que vous proposez aux enfants, aux personnes qui participent aux ateliers pour faciliter ça? Alors effectivement, c'est une question qu'on s'était posée. On a un peu, oui, pardon. Oui, donc la question, juste pour les gens qui n'auraient pas entendu, la question c'était comment est-ce qu'on fait clairement la différenciation entre l'éditeur de texte, l'IDE, le fait de lancer Python directement, le fait de lancer Python via le shell et tout ce genre de choses qui nous paraissent évidentes quand on fait du Python de manière courante, mais pas du tout quand on est débutant. Et du coup, ce qu'on a utilisé. Alors effectivement, la question s'était posée. Finalement, jusqu'à présent, on utilise Spider qui intègre dans une seule interface les trois avec un joli bouton launch pour démarrer le projet. Au tout début, dans la phase d'initiation entre guillemets de découverte, on leur fait utiliser sans forcément trop leur expliquer, parce que finalement, on s'est rendu compte que ça leur posait pas trop de problèmes. Le shell, par exemple, pour tout ce qui est calcul mathématique et jusqu'aux variables globalement, et les fonctions genre print ou max, enfin ce genre de choses vraiment les basiques.
Dès qu'on arrive à avoir des choses qui ont plusieurs lignes, genre les conditions, les boucles, on passe avec une brève explication sur les à utiliser des fichiers qu'on ne quittera plus après, en sachant qu'on a déjà un fichier qu'on a préparé, il y a juste à cliquer sur le bouton pour le lancer, ce qui permet d'éviter d'avoir des problématiques de lancer Python espace game.py qui sont effectivement un saut un peu conceptuel avancé pour des gens qui globalement n'ont vu de terminaux que dans les films avec des caractères verts. On ne va pas se mentir, c'est essentiellement ça. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. J'espère que ça répond à la question. Oui. Question pour la phase d'introduction théorique. C'est quand même 1 heure sur les 4. Comment est-ce que vous faites pour détecter et gérer les inhomogénéités de compréhension entre les gens, peut-être ? Que certains sont très vite dépassés, d'autres, pour eux, c'est facile. Puis entre les deux, il y a toute la population qui est variable possible. Alors pour répéter la question, comment est-ce qu'on gère la grosse potentielle hétérogénéité de niveau entre les gens qui découvrent la programmation? Effectivement, tout le monde ne découvre pas la programmation au même rythme, c'est un fait qu'on a souvent constaté. Alors, généralement, on utilise l'accompagnement personnalisé pour ça, c'est-à-dire que pendant l'heure, un peu moins en vrai, où on fait l'initiation, on la diffuse en plusieurs étapes, donc les étapes qui ont été montrées. Donc d'abord les maths, puis les variables, puis les conditions, etc. Et entre chaque partie, on laisse les gens un peu pratiquer en leur disant bon, maintenant que vous avez montré ça, essayez de faire ça. Par exemple, essayez de calculer 42 x 1284, ce qui sont des choses qui sont inaccessibles facilement de tête pour les maths ou enfin. C'est des exemples où afficher ceci, si l'âge est supérieur à 18, bon, ça reste des grands classiques. Et du coup, pendant ces phases-là, on tourne un peu et on regarde de manière plus ou moins discrète qui se débrouille bien, qui a du mal, qui n'arrive pas, et on n'hésite pas à revenir pour expliquer directement. Ensuite, si pendant la seconde phase de l'atelier, un peu plus jeu, on constate qu'il y a des gens qui ont toujours des difficultés sur certaines choses, parce que oui, c'est pas évident, c'est normal, on n'hésite pas à réexpliquer, il n'y a pas de souci. On ne va pas être des bourreaux à base de Nantes avec qui écouter avant, on n'est pas des profs. Donc voilà, on se débrouille généralement, globalement, comme ça. Je crois que vous avez une question, oui. Le matériel, du coup, qui est utilisé pour les étudiants, vous l'obtenez comment ? Alors, comment on obtient le matériel ? On s'arrange pour avoir des lieux qui le fournissent. Jusqu'à présent, donc jusqu'à présent, donc on a été à l'université Paris Sud, et à Sorbonne Université à Paris, et on s'est toujours arrangé pour avoir des salles info. Donc, on avait des ordi sous Linux tout près comme il faut. Il reste 5 minutes, faut que je choisisse des gens. Je crois que bon, allez vous. Moi, j'ai compris que vous aviez contacté des collèges et des lycées. Vous me disiez avoir eu des retours. Variable et si j'ai bien compris, pas forcément très, très enthousiaste ou très partant pour coopérer avec vous. Moi, j'enseigne en lycée, on a vu apparaître la programmation en du temps dans les programmes déjà depuis plusieurs années, ça se développe de plus en plus là. C'est vrai que c'est un peu dommage que vous ayez pas eu plus de contact avec des enseignants intéressés parce que je pense qu'il y en a. Du coup, sur la question des réponses, des réactions des collèges et des lycées avec des enthousiasmes variables, alors il faut savoir que c'est surtout les collèges qui ont tendance à avoir peur, pas trop les lycées. Généralement, les lycées sont assez partants, mais en soi, ça peut se comprendre. Au collège, on a des gens qui sont entre 12 et 15 ans, donc des plus jeunes que des gens qui ont une maturité de lycéen. Donc peut-être qu'ils ont un peu plus de mal à confier, entre guillemets, enfin, c'est un bien grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire, leur protéger, si je puis dire, à des associations qui... On est une association qui est établie depuis quelque chose comme 5-6 ans, mais il n'empêche qu'ils ne nous connaissent pas, donc forcément ils sont un peu méfiants, ils vérifient les statuts, tout ça. Enfin... Oui. Pourquoi est-ce que vous mettez aux jeunes ? Vous parliez d'enfants, collèges, etc. Je ne sais pas si vous voulez. Vous parliez de moins favoriser. Alors, pourquoi se limiter aux jeunes, la question ? Parce qu'il n'y a pas que des défavorisés chez les jeunes. Effectivement, c'est une question qu'on s'est déjà posée et on envisage éventuellement changer ça, mais ça a plus... Oui, pardon. Ouais, juste, c'est arrivé qu'il y ait des parents qui restent aussi avec leurs enfants. Initialement, pourquoi les jeunes ? Parce que Meet & Code. Meet & Code est une... va de... Enfin,
dans les conditions de Median Code pour avoir la subvention, c'est faire un atelier de 12 à 24 ans. Donc on a initialement ciblé les jeunes et on y restait un peu par habitude, mais le fait est que tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a organisé, c'est tout à fait adaptable pour des personnes plus âgées, et c'est des choses qu'on ne s'exclut pas de faire. C'est juste que jusqu'à présent, effectivement, c'est ce qu'on sait faire, mais on ne s'exclut pas de faire. Quel est le retour jusqu'à maintenant au niveau des jeunes? Est-ce que vous avez un suivi, un peu de recul sur ce qui se passe? Oui. Alors, est-ce qu'on a un suivi sur ce qui se passe? Alors, on essaie. Ensuite, c'est vrai que quand on envoie des mails derrière, il n'y a pas toujours énormément de réponses de la part des jeunes. Mais effectivement, on essaie. Les retours sont plutôt positifs. Y en a quelques-uns qui essaient de continuer un petit peu derrière. C'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de faire des screencasts, en fait, avec les différentes étapes, une à une, pour que, s'ils le souhaitent, les jeunes puissent reprendre les différents contenus pour avancer. Mais donc oui, sinon, y a eu pas mal de retours, notamment des retours qui nous ont servi à faire évoluer les ateliers, qui ont beaucoup évolué, comme vous avez pu le voir quand même, au fur et à mesure. Le temps moyen entre la prise de contact avec un responsable et la mise en place de l'atelier, et ou l'installation des machines, à côté de ces heures d'université, c'est peut-être déjà prêt. Oui, les machines étaient déjà prêtes. La prise de contact et le fait de faire vraiment l'action de l'atelier. Alors, avec ceux qui nous hébergent, ou alors avec tout le monde? Justement, en moyenne, vous contactez un collège, un lycée qui accepte, oui. La prise de décision et le fait de le faire, ou même le fait de faire accepter Alors déjà, première chose, on contacte actuellement pas les collèges et lycées pour le faire, mais juste pour diffuser l'info, parce qu'on l'organise pas chez eux, donc les gens qu'on contacte, ce sont les universités. On a eu deux cas de figure. On a eu un premier cas de figure où on avait un ami qui avait des certaines responsabilités dans l'université en question, donc globalement, le fait d'avoir les autorisations et les salles, c'était une journée. Ça aide d'avoir des gens placés. Sinon, c'est le temps de prendre contact, d'échanger quelques mails, de signer des conventions, d'attendre que le président veuille bien les signer, et d'envoyer des échanges de courriers, donc une semaine ou deux. Non, c'est une semaine ou deux, quoi. Ça dépend. Ça va dépendre de pas mal de facteurs plus ou moins dépendants les uns des autres, mais c'est ce genre de délai. C'est pas ça qui prend le plus long, le plus longtemps. Le plus long, c'est la communication. Oui. La question, ça serait, vous proposez aux jeunes de continuer chez eux, mais qu'est-ce que vous faites pour être joignable après? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rester joignable? Oui, on l'a rapidement mentionné, mais pas très explicitement. Deux choses. La première chose, c'est qu'on leur laisse la documentation. Déjà, on leur envoie par mail et elle est disponible en ligne sur notre site. On leur donne le lien. La deuxième chose, c'est que le site en question qu'on gère, donc c'est de savoir, a une grosse communauté d'entraide. Et donc on leur indique de ne pas hésiter à venir poser des questions directement, parce qu'on saura leur répondre et les aiguiller. Et puis après, on reste disponible par mail si les gens ont besoin. Et puis effectivement, on leur envoie leur propre code pour qu'ils puissent continuer à chacun individuellement tout ce qu'ils ont fait pendant l'atelier. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps pour des questions, mais je pense qu'on peut en tenter une. Ça fait combien du coup de session de 4 heures? C'est une session de 4 heures que vous avez présentée, mais est-ce que vous les enchaînez ou est-ce que c'est un one-shot? Alors, combien de sessions de 4 heures et est-ce qu'on les enchaîne? Alors actuellement, il n'y en a qu'une seule, c'est une initiation one-shot. On ne fait pas un cours suivi parce que ce n'est pas forcément simple pour des gens de venir plusieurs fois. On préfère faire une chose en une fois et derrière leur proposer de continuer chez eux avec toute la documentation. Oui, c'est ça, en fait, toutes les options, etc. Ceux qui sont motivés et qui accrochent, en fait, ils peuvent continuer et rejoindre la communauté. C'est ça. Je pense qu'au niveau du temps, on a terminé. Juste un mot de la fin. On est trois aujourd'hui devant vous, mais en fait, il y a plus de gens qui nous ont aidés à organiser ces ateliers-là. Donc, merci à eux. Et en particulier, deux noms que je mentionne parce qu'ils ont été organisateurs dans les ateliers. Il y a Thibaut et Alban. Donc, ça ne vous parle pas, mais j'aimerais quand même les remercier parce qu'ils ont été là et c'est important. Et puis, ils verront sur la rediffusion aussi.